Bonjour et bienvenue dans le studio 3S sportif, social et solidaire pour la 23e séance de sport solidaire en ce 34e jour de confinement. Voilà, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une séance de cross-training dominante step, c'est-à-dire avec des escaliers. Donc si vous avez une seule marche d'escalier ou un petit rebord ou un step comme celui-là, vous allez devoir vous en servir, et si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, ben vous allez utiliser uniquement le sol. J'ai amené ma petite chaise, si vous avez une chaise, n'hésitez pas à l'utiliser. On va commencer les étirements avec ce matériel qui est un appareil de fitness un petit peu caché, qui est une chaise. On va s'étirer là-dessus pour commencer. Voilà, je vais tout mettre en place. Le circuit sera composé de 4 blocs. 4 blocs de 3 exercices, donc 3 x 4, 12, 12 exercices à faire selon vos capacités. Je range le petit matériel pour faire de l'espace. Et là, je vais positionner ma chaise tout simplement dans l'axe pour commencer les étirements. Ici, jambes tendues. Voilà, toujours pareil, on est sur les mêmes protocoles. Et on fait en même temps une petite révision, de notre condition physique, de notre santé, de notre amplitude articulaire et tout ce qui va avec. Voilà, nous sommes dimanche 19 avril avec le soleil aujourd'hui. Et je vous remercie d'être présent. Personnellement, moi je suis ici pour justement, dans le cadre du confinement, pour essayer de vous aider à vous sentir mieux à la maison. Et puis aussi à déconnecter un petit peu avec cette morosité liée au confinement. Et puis casser la routine qu'on a tous les jours maintenant depuis 34 jours de confinement. Voilà, donc on était jambes tendues. On va maintenant fléchir les jambes vers l'avant ici. Petite fente avec le poids du corps qui vient ici sur la jambe avant. Voilà, on laisse mourir le poids du corps tout simplement vers l'avant en étirant cette partie antérieur ici au niveau du bassin. Si vous êtes en déséquilibre, vous vous servez du dossier et vous avancez légèrement le bassin là, en essayant de rester dans l'axe. Donc on ne tourne pas, on ne vrille pas, on essaye de rester dans l'axe avec le bassin à 90 degrés par rapport à la jambe avancée. Maintenant on va vriller encore un peu plus ici en tournant le buste à l'opposé. Voilà. Ça nous permet d'avoir un repère sur notre amplitude en rotation, sur le déverrouillage notamment du bassin et également du buste. Voilà, on va se redresser tranquillement, on se repositionne et puis là on va se mettre sur le côté avec toujours la même jambe qui va travailler. Cette fois-ci, elle va être tendue. La pointe des pieds légèrement vers le plafond. Voilà, pour ne pas abîmer les petits tendons, les ligaments latéraux internes. Alors j'ai oublié un petit peu les étrangers, il y a beaucoup de pays étrangers qui nous regardent. Welcome to every countries, every foreign countries to this workout in the house. We are going to make a stretching and then we are going to make a circuit workout with exercises, with steps, maybe only steps and only abdominals too. Voilà, on va changer cette fois-ci de jambe pour repartir à nouveau sur un étirement jambe tendue. Je vous rappelle que les étirements permettent en même temps de vérifier dans quelle situation physique, amplitude articulaire on est, surtout le matin, même si c'est 11h, parfois on a fait la grasse matinée. Et ça permet de déverrouiller les articulations et donner un peu plus d'enthousiasme pour la suite de la séance. On essaie de descendre légèrement, vous voyez que les mains sont juste posées sans appuyer au-dessus de la rotule du genou. Voilà, ensuite on va fléchir la même jambe qui était tendue en avançant le bassin ici vers l'avant, on met tout le poids du corps sur l'avant à 70%. Et puis on essaye de basculer le bassin en rétroversion sans cambrer. Alors on a inventé dans le studio 3S le mot décambré. Voilà, donc maintenant ça existe, c'est dans le dictionnaire depuis quelques jours.
Donc on décambre, on évite la cambrure des reins et des lombaires. Et là, on va venir se mettre en opposition. Voilà, la main droite de la jambe arrière vient sur le genou à l'extérieur du gauche en opposition. Et là, on vérifie avec une belle inspiration, une belle expiration. Voilà, on vérifie l'amplitude articulaire au niveau notamment du bassin, des lombaires et puis aussi du buste, puisqu'on va regarder à 90 degrés, ce qui nous permet de vérifier vos positions sur l'écran, virtuellement évidemment. Voilà, on va se redresser tranquillement et puis on va passer ici à la position tout simplement latérale. Jambes tendues, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci de l'autre côté. Voilà, on descend un petit peu, on peut basculer pour accentuer la bascule du bassin là, qui permet d'étirer les adducteurs ADDUCTERS qui permettent de rapprocher les jambes les unes contre les autres. À ne pas confondre avec les adducteurs ABDUCTERS qui permettent au contraire d'élever la jambe sur le côté. Voilà, on peut accentuer cet étirement par une partie latérale avec ici le bras qui va passer au-dessus. Voilà, et on vient sur un plan sagittal basculer doucement ici sur le côté avec la main qui est posée au niveau de la hanche. Et là, on relâche également la tête. Voilà. Alors pour éviter qu'il y ait un côté qui soit jaloux, on va faire la même chose ici de l'autre côté. Même si on a déjà fait cet étirement-là, on n'a pas fait ce stretching qui permet d'étirer les intercostales entre les côtes sur le côté. Voilà, on relâche bien. Et maintenant, on va se redresser et on va utiliser l'assise et une serviette, puisqu'on n'a besoin que d'une serviette pour ces séances, pour poser le genou. Et là, on va se retrouver cette fois-ci le pied posé sur l'assise. On va descendre doucement le genou ici sur la serviette et avancer légèrement la jambe pour se retrouver dans une position à nouveau d'étirement sur la partie antérieure du corps, c'est-à-dire la partie avant. Et avec une petite bascule vers l'avant, c'est facile de retrouver tout cet étirement, mais cette fois-ci qui est un peu plus mécanique que ce qu'on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Vous voyez qu'une chaise est un appareil à stretching qui fonctionne très très bien. Et c'est un appareil à renforcement musculaire aussi, on le verra tout à l'heure sur certains de nos exercices, qui fonctionne très très bien. Voilà, on va se redresser en rapprochant le pied ici avec un petit appui au niveau des mains et puis on va passer à la jambe opposée. Ici, pointe des pieds sur le bord de l'assise. On va descendre ici en équilibre si possible et on va se retrouver sur la même position avec la jambe opposée qui vient produire un stretching de l'autre côté. Alors si on voulait accentuer ce stretching, on pourrait aussi déverrouiller à nouveau sur le côté. Donc si vous avez de la facilité sur l'aisance, la souplesse ce matin, ce dimanche 19 avril, n'hésitez pas à tourner ici sur le côté de la même façon, vous voyez. Voilà, là je suis à 90 degrés, j'ai un bel étirement sur l'avant. N'insistez pas, ne forcez pas, faites-le de façon uniquement mécanique pour l'instant. Et puis après, à la fin, on pourra vraiment insister une fois à chaud. Voilà, on se redresse doucement, on fait attention, on appuie ici sur le genou pour se repositionner debout. Et là, cette fois-ci, on va commencer à étirer les épaules, tout simplement, avec le dossier. Donc, je vais me mettre à nouveau à genoux ici et je vais étirer l'épaule en posant la main sur la partie extrême du dossier. Ici, je vais descendre l'épaule vers l'avant et poser l'avant-bras ici. Voilà. Alors, si on était pressé, on pourrait même optimiser encore ce mouvement avec un étirement épaule et un étirement adducteur ici. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc, on est à la fois ici sur l'épaule et sur les adducteurs.
C'était juste un exemple. On va rester pour l'instant sur l'épaule parce que j'aime bien optimiser et avoir un bon retour sur investissement au niveau des étirements comme au niveau des exercices. Donc il faut que ça soit productif. L'intérêt, c'est que ça vous apporte quelque chose à chaque fois dans un temps qui est relativement limité. Voilà, on va passer ensuite à l'épaule gauche. Voilà. Et là, je vais regarder aussi du côté opposé au bras qui est positionné sur le dossier de la chaise. Voilà. Et maintenant, on va aller dans l'axe ici, se positionner pour descendre les deux épaules vers le bas en maintenant ici les bras sur le dossier qui est plus ou moins haut en fonction de la chaise que vous avez. Vous voyez là, j'ai un rebord de l'assise qui correspond parfaitement à mon étirement, ma souplesse, qui n'est pas forcément très importante. Et là, je me pose devant. J'ai un étirement qui est moyen et qui correspond tout à fait à ce qu'on doit faire à l'échauffement. Voilà, là, je me redresse à nouveau. Pour me relever, je peux très bien me servir ici de l'assise. Et puis, je vais terminer les étirements par un petit exercice de relâchement du dos. Donc, je vais me positionner ici avec la distance convenable et puis je vais faire un petit enroulement ici. Voilà, je pose les mains toujours et puis je descends en relâchant le dos, mais aussi la partie arrière des cuisses qui est très très figée souvent. C'est une grosse masse musculaire avec les fessiers qui viennent dans le prolongement des muscles ischio-jambiers ici. Et pour cela, il est important d'étirer cette grosse masse musculaire. À faire toute la journée ou régulièrement dans la journée, surtout si vous travaillez en position assise au bureau ou si vous êtes chez vous, souvent assis. Là, je relâche à nouveau la tête, j'essaie de descendre un petit peu. Et pour me redresser, je vais commencer par fléchir les genoux. Voilà, et là, je me redresse. C'est pas terminé, on va faire un petit dernier étirement que je vous avais promis au départ. Voilà, donc rappelez-vous cet étirement. Le bassin est au milieu des deux genoux avec une jambe tendue, une jambe fléchie. Le pied de la jambe tendue se dirige vers le plafond. Et par contre, là aujourd'hui, je vais me servir de l'appui de la chaise pour me sentir bien confortable et en même temps me positionner soit vers l'avant ou vers l'arrière à ma convenance. Vous voyez que cette position en utilisant l'assise de la chaise est très intéressante et en même temps très confortable, et ça me permet aussi de me limiter dans l'amplitude pour les étirements, et comme ça c'est moins dangereux si on a un petit pépin au niveau des articulations, des tendons ou des petites fibres musculaires en lien avec la dernière séance, pourquoi pas. Voilà, on se redresse et puis on va passer ici, au côté opposé. Voilà. Vérification des toboggans, verrouillage de la porte opposée, et puis on se retrouve ici sur les étirements. Jambes écartes, mais avec évidemment une précaution, c'est-à-dire qu'il y a une des deux jambes qui est fléchie. Et là, je vais pouvoir descendre vers le bas. Voilà. On va terminer l'échauffement par toujours des exercices de proprioception avec un gros retour sur investissement. Proprioception, renforcement et en même temps stretching. On va faire un nouvel exercice pour vous parce que il faut chaque fois essayer d'augmenter un petit peu les capacités. Donc ça sera un exercice qui va se faire sur une jambe comme d'habitude, toujours sur la proprioception. Je remets la chaise en place. Voilà. Donc là, vous allez vous mettre sur une jambe tout simplement. Voilà. Vous allez essayer d'aller chercher le coup de pied avec le bras opposé. C'est-à-dire, je vais ramener la jambe en arrière et je vais venir avec la main gauche prendre mon pied droit ici au niveau du coup de pied. Voilà. Et là, on va descendre à nouveau sur la jambe en essayant d'ouvrir la jambe fléchie au lieu de la fermer. On ne ferme pas comme ça. On passe le genou en arrière de la première jambe qui est tendue, c'est-à-dire pratiquement verticale. Et là, on va se positionner en descendant vers le bas. Voilà, juste cet exercice-là permet d'avoir des bonnes sensations de proprioception, mais aussi de renforcement musculaire ici sur les quadriceps, c'est-à-dire les muscles avant de la cuisse, quadriceps, puisqu'il y a quatre faisceaux, et en même temps travailler l'équilibre au niveau de la cheville
et un exercice d'étirement. Donc on a renforcement, étirement, proprioception et un petit geste sympa pour la partie gestuelle. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté avec toujours un appui. Cette jambe va passer derrière, on va la fléchir et elle va aller mourir dans ma main droite cette fois-ci. Le genou passe derrière le premier genou. J'ouvre la jambe ici vers l'arrière. Je fléchis. Et là, je fais une petite arabesque. Comme ça, et je tiens, allez, on va dire 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok, on va faire des petites flexions maintenant dynamiques avec une action aussi du haut en même temps pour gagner du temps. La séance du runner, il y a le circuit qui nous attend, qui s'impatiente d'ailleurs. Et voilà, on va essayer d'échauffer au maximum toutes les parties du corps. Donc on va faire un petit demi-squat très simple ici avec les bras en croix, là où on va fixer. Petite consigne, lorsque vous élevez les bras, que ce soit dans la vie quotidienne, la vie professionnelle ou ici dans une séance de sport, pensez à baisser les épaules avant de monter les bras. Donc ça, c'est très important. Ne montez pas les épaules avec les bras. C'est ce qui donne toutes les contractures, messieurs et mesdames, qui redescendent entre les omoplates. Ça fait une petite douleur de poignard entre les omoplates qui dure très longtemps, parfois 10 jours. Et donc, il est très important de fixer les épaules vers le bas en même temps qu'on relève les bras. Voilà. On ne remonte jamais les épaules aux oreilles en montant les bras. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche tout ça. On va tout relâcher maintenant sur le côté. On ramène les bras d'un côté, de l'autre avec le buste et la hanche ici qui vient, comme un mouvement de golf, se placer sur le côté. 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. On va repartir sur un demi-squat monté de main, cette fois-ci sur une jambe. Donc si vous n'arrivez pas à descendre, vous restez statique et vous allez uniquement faire ce petit mouvement avec un petit mouvement de jambe quand même. Donc nous, on démarre tendu, les bras vers le bas, les épaules vers le bas et on va descendre en montant les épaules en croix. Voilà, les bras, pardon, pas les épaules, les bras en croix ici. Voilà, 2 et on reste. 3 et on reste. 4, on reste. Dernier sur la jambe gauche. Et 5, on reste. Voilà. L'équilibre est super important. Aujourd'hui, on a des modes de vie modernes qui sont très sédentaires. Donc, on n'a plus l'habitude de travailler sur une jambe ou avoir une belle coordination au niveau de la gestuelle. Et donc, voilà, la proprioception, l'équilibre, le travail sur une jambe est hyper important pour retrouver cette mobilité, cette aisance, cette agilité, cette confiance aussi, prévention des chutes pour la vie professionnelle ou civile. On reste là, 4 et 5. Ok, on relâche tout ça. Maintenant, on va passer aux éléments du circuit. Donc, on va reprendre tous les éléments les uns après les autres pour bien s'acclimater aux exercices, surtout pour celles et ceux qui sont nouvelles et nouveaux ici. Je vais utiliser mon step. Si vous n'avez pas de step, bah, utilisez une marche d'escalier. Si vous n'avez pas de marche d'escalier, vous le faites au sol sans dénivelé. We start now for the circuit. Workout circuit with one step or one stair. If you don't have a step, or you can make it on the floor if you want. Okay? On démarre donc sur toujours les petites demi-flexions en dynamique et en rajoutant évidemment une partie. Mobilité, coordination. Donc ça va se présenter comme ça. Je le mets un peu plus en arrière pour que vous voyez ma tête. Donc on va se positionner ici, on va monter sur le step et on va redescendre à l'opposé avec une belle flexion. C'est un exercice qui est très simple et qui en même temps est à la portée de tous, toutes et tous, et qui permet aussi d'avoir une petite coordination, vous voyez, sur le demi-tour ici. Et lorsqu'on le fait rapidement, ben c'est beaucoup plus productif. On va démarrer, on va faire cet exercice pendant 15 secondes, enchaîné, où vous allez vous régler petit à petit sur l'enchaînement des mouvements. Donc on démarre ici sur le côté, et on va monter les deux appuis au-dessus
sur le step et on va retourner de l'autre côté à chaque fois, à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Premier exercice du premier bloc. It was the first exercise of the first block. Now we start for the second exercise of the first block with abdominals. Alors c'est un exercice d'abdominaux qui suscite aussi un petit peu de réflexion parce que il y a aussi de la coordination. Vous prenez un objet entre les mains, une télécommande de téléviseur, un stylo. Évitez les stylos, ça peut être dangereux, surtout les enfants. Je sais pas, quelque chose, un boîtier que vous avez à côté de vous. Et là, vous allez vous mettre sur le dos. Voilà. Donc sur le dos, je relève le buste ici et je relève une jambe tendue et je relève une jambe fléchie. Là, on va commencer un exercice de pédalage. Comme ça. Bien coordonné, tout doux, c'est très sympa. Et je vais rajouter un petit handicap. Ça va être ma bouteille d'eau. Ou ça peut être n'importe quoi. Un petit objet, une télécommande ou voilà, une poupée pour les petites filles. Voilà. Et là, je vais passer à chaque fois cet objet sous la jambe fléchie. Là. Ce qui va m'obliger à me concentrer sur la coordination, évidemment, avec les jambes. Donc j'ai une coordination ici, jambes, bras. Et en même temps, renforcement musculaire au niveau des abdominaux. En particulier au niveau du périnée pour les dames. Pensez à bien travailler sur le périnée. Allez, on y va. C'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors cet exercice s'appelle le pédalo Nico. Parce que c'est un ami qui s'appelle Nicolas qui l'a inventé. Et donc, je lui garde cette propriété intellectuelle. Et je le cite à chaque fois. Alors, on va utiliser à nouveau la marche d'escalier, ou le sol, comme vous voulez, où là, vous allez monter à chaque fois sur l'escalier à deux mains, vous allez redescendre sur la main opposée, l'une après l'autre. Ça fait droite-gauche, 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 droite-gauche. Vous voyez que je ne fléchis pas les bras, je reste bras tendus, ici. Et là, on est uniquement un gainage bassin plus proprioception au niveau des épaules. Donc on repousse bien le sol et à chaque fois on descend d'une marche tranquillement. Si vous n'avez pas de step, il n'y a pas de souci. On fait la même chose devant et on revient derrière, ici. D'accord? Pour les plus costauds, les plus costaudes, vous pouvez fléchir un petit peu sur chaque mouvement. Ou rester fléchi tout le temps sur les mouvements. Ce qui permet de renforcer encore plus la proprioception au niveau des épaules. Je vous rappelle que la proprioception, nos exercices de renforcement, ne sont pas des exercices conventionnels. Ce sont des exercices qui vous permettent de travailler tous les muscles fixateurs des articulations. Et pas juste les biceps, les triceps, qui permettent d'avoir un visuel ou les pectoraux, pour se regarder dans la glace. Donc l'objectif, c'est vraiment la santé. Et je vous rappelle que nous avons une conférence mardi prochain à 18h avec le médecin chirurgien du Tour de France qui sera là pour témoigner. Et puis le chef de service néphrologie de l'hôpital Tenon qui sera là aussi. Donc si vous avez des questions, commencez à les préparer. Et puis, le professeur Mercier et le professeur Fessy vous répondront. Ensuite, on va partir sur ici, saut pieds joints. Toujours pareil, en position demi-squat. Bien ancré au sol en travaillant les fondations, comme le dit si bien Stéphanie sur ses séances de renforcement et de yoga, avec ici une réception en excentrique et là une poussée en concentrique. D'accord ? Tout ce qui est flexion, c'est excentrique. Là, on travaille vraiment sur des mouvements de réception où on va amortir le geste et le stabiliser. Ça, c'est très important de stabiliser à l'arrivée. Ça donne ça et ça. On y va, ça dure 10 secondes. Allez, c'est parti. 2, 1. Ok, voilà, ça commence déjà bien à bien engorger. Alors, dans nos séances
dans nos séances, nous avons de la Formule 1, nous avons de la natation, nous avons du canoë, de l'aviron. Alors, il n'y a pas d'eau, mais on est avec de la virtuelle, du virtuel. Et là, aujourd'hui, sur cet exercice, maintenant, tout de suite, on va travailler la natation. Donc, avec un exercice très simple de fermeture-ouverture, ici, sans toucher le sol avec les pieds, sans toucher le sol avec les mains. Donc, on se positionne sur la serviette ou le tapis. Là, tac. Là, je vais décoller les pieds, les jambes, sans trop. On va éviter de cambrer. Le bassin va se positionner comme ça. Les bras ici décollés. Et là, on va juste venir ouvrir et fermer au niveau des bras en gardant les jambes décollées. C'est à vous. Allez, 15 secondes. C'est parti. 2, 3. Pointe des pieds en extension. C'est plus facile. 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok. Évitez de relever la tête comme ça pour éviter une hyperflexion des cervicales, extension, pardon, et qui évite des contractures, des courbatures au niveau cervical. Sachez une chose, tout ce qui est au niveau cervical souvent descend ici au milieu du dos entre les omoplates. Donc si vous avez une sensation de poignard ou de couteau entre les omoplates, ça vient souvent de désorganisation au niveau cervical. Notamment quand on reçoit un mauvais email au travail ou au bureau, on monte les épaules comme ça et ça crée des contractures ici qui descendent à nouveau au niveau du dos. Donc cette fois-ci, on va toujours décaler, mais avec des flexions de bras. Donc ça va donner ceci. Vous pouvez le faire à genoux. Donc ça va faire ce mouvement-là. On va monter et redescendre et après faire une flexion. Je monte, je descends. Et je fais une flexion, d'accord? Pour les plus expérimentés ou les plus costauds, on va le faire, jambes tendues, ici. Là, 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 et là. Ok, c'est à vous, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Si vous voulez en faire 5, vous en faites 5. C'est pas un souci. Maintenant, on va faire des petits pas. Alors ça, c'est marrant, c'est sympa. C'est des petits pas toujours en coordination avec les bras, les jambes et puis la position que vous aurez sur la marche d'escalier ou le step ou le sol. Donc ça donne ça. Si vous n'avez pas de step, si vous n'avez pas d'escalier, il y a un pied qui chasse l'autre toujours. On regroupe toujours les appuis devant ou derrière. Et on utilise évidemment le mouvement des bras. On roule un petit peu les mécaniques. Et ça va tout seul. On fait la même chose avec le step. Là. Et c'est à vous. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Toujours en opposition avec les bras. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? Donc là, on était sur le premier exercice du troisième bloc. It was the first exercise of the third block. And now, the second exercise of the third block, it's... Hop. Alors maintenant, c'est runner. Runner, ici. On va faire de l'aviron. Dans le studio 3S, on fait de l'aviron, on fait de la natation, on fait de la Formule 1. Mais ça sera de se déguiser un jour, tiens, ça pourrait être sympa. Avec le maillot, le short de bain, et puis les lunettes et le bonnet. Ça peut être sympa. Donc, position de rameur, ici, jambes regroupées, bras tendus. On est en équilibre, les jambes ne touchent pas le sol. Les bras sont à l'horizontale et on essaie de tracter à l'horizontale ici. Là. Tout en arrivant, jambes tendues. Si c'est trop difficile pour vous, vous posez juste un talon au sol, là, et vous faites la même chose. Vous tendez une jambe. Au bout de la moitié du temps d'exercice, vous pouvez faire la deuxième jambe. D'accord? Si c'est encore trop dur, vous laissez les deux jambes au sol
Ici, vous maintenez uniquement la position droite du bassin, hein, évidemment contractant le bas des abdominaux et pas le haut. On est toujours sur une position où il faut gainer bien le bas du bassin. Notamment chez vous, mesdames. Et d'ailleurs, mardi, il y aura beaucoup de questions sur la partie ostéoporose, notamment l'accélération de l'ostéoporose à la ménopause. Donc, si vous avez un peu de temps, mardi 18h, en direct avec le professeur Versier et le professeur Afet Fessi. Donc, on se met en position, c'est à vous. Flexion, extension. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va passer au troisième exercice. Now, third exercise. Avec with the desk or with the chair or with the step. On va utiliser soit le bureau, ici. Voilà, comme ça. Là. Plus vous êtes près du corps avec les jambes, plus c'est facile. Plus vous vous éloignez, plus c'est difficile. D'autant plus avec l'articulation des épaules. Moi, je vais utiliser mon petit step. Ça aurait pu être la chaise aussi. Et donc, vous avez le choix. Vous avez 3, 4 choix, même au sol. Il est possible de le faire aussi au sol. Si vous n'avez ni chaise, ni bureau, ni step, on se met au sol ici. Voilà, on resserre les bras. Et puis, on va faire ce travail-là avec, si possible, le corps un petit peu plus tendu. Voilà. Comme ça, un bon mouvement d'amplitude derrière. Attention, ça va être à vous. Allez. On se positionne, soit fléchi, très facile, soit semi-tendu, moins facile, soit tendu, un peu plus difficile. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a terminé le troisième bloc. Now we finish the third block and we start the fourth block. Alors, on commence ici de façon latérale, toujours avec des petits pas de coordination. We start with small steps avec d'abord la première jambe qui est la plus proche du step qui va monter en premier. Donc là on va faire simple pour le premier tour. Vous avez une marche d'escalier ou un step, vous avez ou un espace, ici ça peut être au sol. Vous allez placer la première jambe sur le step, placer la deuxième jambe sur le step mais devant, dans l'axe. D'accord ? Une fois que vous êtes dans l'axe, ici, vous allez le faire dans l'ordre, c'est-à-dire que c'est la première jambe qui était sur le step qui va descendre. Et ainsi de suite, celle qui est en avant. Et là ensuite, on va remonter, vous voyez, tranquillement, comme on le faisait tout à l'heure, on est de face. Aujourd'hui, on est là maintenant, on est sur le côté. Et donc, on va utiliser ce rythme-là, avec la première jambe ici placée qui monte, et puis la deuxième qui vient sur la roue. Et là, on va utiliser les bras, et ça va être à vous. 3, 2, 1, top, c'est parti. Voilà, vous le faites lentement, vous décomposez un petit peu le mouvement. Voilà, servez-vous des bras toujours pour coordonner tout ça, pour garder l'équilibre et puis la tonicité aussi. Et là, on va augmenter un petit peu le mouvement. Allez, allez, ok, on relâche. Ça va jusque-là? Donc voilà, on a fait des petits pas latéraux, maintenant on va faire le mouvement de natation à nouveau, on va replonger, donc mettez votre maillot, vos lunettes et votre bonnet. Et nous allons replonger dans la piscine du studio 3S. Vous voyez la piscine bleue ici. Voilà, je vais mettre dessus. On va simuler le bassin, ça va être rigolo. Et voilà. Et là, je vais pouvoir plonger dans la piscine. Voilà. Et je suis dans l'eau. Et je vais pouvoir cette fois-ci faire un mouvement décomposé entre bras de brasse et jambes de crawl battement. D'accord ? Donc ça donne ceci. Voilà, toujours les jambes et les bras qui sont décollés du sol. Je fais les petits battements. Jambes tendues, pointe en extension. Et ici, des mouvements de brasse. 3, 2, 1, c'est à vous. Voilà. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Qui a touché le sol avec les mains? Levez la main. Qui a touché le sol avec les pieds? Levez la main. Donc ça fait des fautes. Évitez de poser les mains au sol ou les pieds au sol. On va finir par les fameux burpees
que vous connaissez, mais c'est des barres-prises un peu particuliers. On utilise les... Je vais ranger le matériel, j'ai horreur que ça soit mal rangé. Dans une salle de sport, une des premières leçons, c'est le rangement. Rangement, nettoyage. Et comme c'est une salle sportive et solidaire, sociale, ce sont les utilisateurs qui font le ménage, donc moi-même. Voilà, donc là, ici, j'ai un step. Je reviens chercher la chaise, si vous avez une chaise chez vous. Voilà. Donc j'ai le choix entre une chaise, un step ou le sol. Si vous avez un escalier, vous pouvez utiliser la deuxième marche qui est plus haute. Plus c'est haut au niveau des bras, plus c'est facile. D'accord ? Donc on va commencer au sol pour les plus talentueux. Cécile, si tu nous écoutes, par exemple. On va se positionner au sol ici, on se regroupe et on va tendre le corps, descendre une petite flexion de bras et monter tout simplement. Voilà, ça s'appelle le burpee, un mouvement qui est complet, agilité, détente, un petit peu de coordination, mais ça fait monter aussi le cardio. Ici j'ai une chaise, je vais faire exactement la même chose ici. Donc je descends sur le dossier, ici, petite flexion, voilà. Vous voyez que là c'est beaucoup plus facile parce que la marge est beaucoup plus haute. Je vais utiliser cette fois-ci le step ici, un petit décalage. Et là je vais faire la même chose, sauf que je vais monter sur la première marche d'escalier. Donc je peux très bien utiliser la deuxième marche pour les mains et utiliser la première marche pour monter dessus. Ça se présente comme ceci. Là je descends sur la marche là. Petite détente et petite flexion ou pas en fonction de votre niveau. Et là vous allez vous regrouper, petit saut sur le step. Là. Vous voyez que là je ne fléchis pas des bras volontairement, mais ça peut très bien être le cas ici où je rajoute en même temps les bras. Retour sur investissement, rappelez-vous, très important. Voilà, on a fait le tour des 4 blocs. We're finished now the 4 blocks. We have a rest, 5 minutes rest, and then we continue with the circuit. On continuera après avec l'enchaînement de façon un peu plus tonique sur tous ces 4 blocs de 3 exercices. Et là pour le coup je vous mettrai la machine infernale où c'est Lucie qui va décompter les mouvements et puis le timing. Je vous laisse récupérer, pensez à boire, il fait chaud, et anticiper sur ce qui vous attend. Hop là, petite aération. Moi je vais faire de même parce que j'ai soif aussi. Alors je vous rappelle qu'on a préparé un questionnaire pour vous, si vous avez le temps, si vous avez la gentillesse, remplissez ce questionnaire, ça nous donne un avis sur ce type de séance, peut-être pour l'adapter à l'avenir. Je vous rappelle que ces séances sont sous le contrôle de personnes du médical, médecins et évidemment kinésithérapeutes, qui permettent de rééquilibrer, aménager, restructurer, perfectionner les exercices. Donc voilà, c'est pas simplement une séance de sport, c'est aussi quelque chose qui est le plus adapté possible à tout le monde, avec évidemment des variantes sur chaque exercice, y compris sur l'intensité. Vous mettez l'intensité que vous voulez, vous pouvez le faire très très cool ou vous pouvez le faire de façon très très rythmée et tonique. Donc ça c'est à vous de décider. Donc le questionnaire va nous être très utile. On va démarrer le deuxième passage, mais cette fois-ci sous forme de circuit. We stand now with the second circuit, but more strongly with a chronometer. Dans exactement 10 secondes. Rappelez-vous le premier exercice. Ici, je ne vais plus utiliser la chaise. Si vous devez l'utiliser sur un des exercices, gardez-la avec vous. Mais moi, pour des raisons de place, je vais être obligé de sécurité aussi. Je vais être obligé de la décaler. Je sais que certains sont pratiques en famille, donc si vous avez des enfants, il peut y en avoir un sur l'escalier, l'autre au sol, l'autre qui va utiliser un bureau qui est fixe évidemment, l'autre qui va utiliser une petite marche, un promontoire, voilà. Donc ça c'est possible de le pratiquer en famille, dans une pièce ou dans plusieurs pièces éventuellement.
Alors, on va démarrer par les squats demi-tour ici et ici. D'accord? Donc, dans 10 secondes exactement, où je vais me mettre en plein écran et en mode, en mode full power. Voilà. Allez, dans 10 secondes, ça démarre. Mais cette fois-ci, on met du rythme puisqu'on connaît les exercices. Et après, vous le faites en fonction de vos capacités, évidemment. 3, 2, 1, go. Alors, je commencerai toujours un petit peu plus tôt pour que vous ayez le visuel des exercices. Donc, je me reposerai un petit peu moins. 3, 2, 1, stop. Ok. On récupère. Maintenant, on va passer au pédalo. Pédalo Nico. Ici. Rappelez-vous. Là. 3, 2, 1, go. Quand c'est vert, c'est à vous quand c'est vert. Rouge, c'est repos. Vert, c'est travail. Allez, on va chercher sous le mollet. Ouh, j'ai oublié ma serviette, c'est un peu dur. 3, 2, 1, stop. Voilà, je pose ma bouteille. Maintenant, ça va être push-ups. Position de push-ups, c'est pas push-ups. Ici. Je vais descendre et monter, soit avec flexion, 3, soit sans 2, flexion. 1, go. Allez. Une main après l'autre, et là je mets un peu plus de rythme. Je garde le bassin aligné. Là ça commence à chauffer. Vous voyez qu'on est agile, aussi avec les mains. 3, 2, 1, stop. Stop. On récupère tranquillement. Et là maintenant on va passer au saut pieds joints. Je commence avant vous. Ici. 3, 2, 1, go. C'est à vous. Voilà. Three, two, one, stop. On relâche. On met ses lunettes, son maillot de bain, son mollet. Et là, c'est la natation. Juste two, avec les bras. One, là. Go. Sans toucher le sol, mesdames et messieurs. J'en ai vu un qui a touché le sol. Attention, je vous surveille. Three, two, one, stop. Et stop. Vous voyez que ça fixe bien les épaules. Maintenant on va passer en haut. Ici. Avec flexion. Ou sans flexion. Ou sur les genoux. Two, one, voilà. Go. Sur les genoux c'est plus facile. Pour celles et ceux qui ont des difficultés. Et vous n'êtes pas obligé de descendre complètement. Donc il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. 3, 2, 1, stop. On relâche. Voilà les bras, maintenant on va passer au rameur. On garde notre maillot de bain. On garde nos lunettes. Notre bonnet. 3, 2, on passe à l'aviron. 1, go. Voilà. Si c'est trop dur, vous posez une jambe, un talon au sol. Et si c'est encore trop difficile, vous posez deux talons au sol et vous maintenez la position. 3, 2, 1, stop. Et voilà, moi je reste dans la position pour, rappelez-vous, ici les dips. Si c'est trop dur, on fléchit. Là c'est plus facile. Soit tendu, soit fléchi. 2, 1, go. Allez. Ça, c'est du step. En fait, on utilise un step. Donc, il n'y a pas de limite. Tout est dans la nature. Les escaliers, les arbres pour les tractions, les branches, les racines pour les push-ups. 3, 2, 1, stop. Ok, on est fatigué. Ben justement, on va profiter pour vous mettre un peu dans le rouge avec.